Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Terra Nil. Donc la map continentale, hein. On va aller voir la vallée inondée à première vue. On va voir ce que ça donne. Très bien. Continental, la restauration de zones urbaines présente une série de défis uniques. Vous devrez composer avec le béton préexistant comme composer avec le béton préexistant lorsque vous draguerez, excusez-moi, le fond de l'océan pour créer des terres sur lesquelles faire pousser des plantes. Les villes abandonnées peuvent également abriter des matériaux particulièrement dangereux. Pour commencer, draguer le fond de l'océan pour créer des terres ou faire pousser de la végétation. Une fois le dragage terminé, recyclez les dragues. Vous pouvez ensuite placer des turbines marémotrices dans les poches d'eau profondes creusées par vos machines. Wow, ça a l'air de passer à un autre niveau de complexité. D'accord. Je visualise des choses. Alors on a un peu de terre-terre, hein, tout court. D'accord. Donc ça c'est quoi? Stabilité géologique. Ah. Ok. Température, humidité. On a des vrais objets là-dedans. De l'humidité supérieure. Donc bon bah il faut faire revenir de l'humidité. Ça c'est faisable. Je pense que ça va être faisable. Donc une drague sous-marine. Creuse les fonds marins et ramène le sable à la surface, créant ainsi de la terre, peut-être connectée au réseau de monorail. Oh. Bon, je peux arriver comme ça, Zinedine. J'ai pas la place. Ouais, plus par là, ouais. Ouais. Admettons. Ouais. Ouais, on teste des choses. Ah, je choisis ok l'espace ou... Ok, ah oui. Donc non, effectivement, j'ai été couillon de le planter là. J'aurais mieux fait de le planter là-bas. Attendez. Est-ce que je peux le mettre par là? Ah, il y a un peu trop de bâtisses. Alors, admettons par ici. Voilà, c'est ça. Je peux le ramener par là. Par là. On peut ploter des poteaux, ok, sur tous les bâtiments urbains, suburbains et tout ce qui va bien. Ok. On se place un poteau vite fait. Nécessite de recycler un drag sous-marine. Oui, bien sûr, bougez pas. Non. Du coup, c'est toi. Est-ce qu'on peut utiliser ton poteau? Ah non, ok, il faut que je mette un autre poteau plus proche pour pouvoir te recycler. D'accord. Ok, on crée de la stabilité ou de l'instabilité géologique, j'arrive pas trop à savoir ce qu'on bricole en réalité, mais bon. J'ai envie de placer un nœud ici, là, du coup. Est-ce que je vais le démonter celui-là? Non, ça c'est une nouvelle idée, merci. Non, c'est pas. Je voudrais récupérer cette bécane. Pourquoi je peux pas? Je voudrais la recycler, bro. Pourquoi tu... Pourquoi la cible n'est pas valide? Il y a un truc que j'ai pas compris. Sur le recyclage de la bécane... Je vais pas en placer 400 parce que ça va être la misère. Ouais, parce qu'après il faut que je pose encore des épurateurs. Il y a un truc que j'ai pas compris. Ramène la terre à surface du réseau monorail. D'accord, mais c'est quoi? C'est parce que maintenant t'es vide, je peux plus t'exploiter ou c'est comment? Je vais tirer un peu mon réseau.
tirer là. Voilà. Donc là, admettons. Non, c'est non valide. C'est donc bon, je sais pas. Je pense j'ai merdé quelque part. Il y a un truc que j'ai pas. Il y a un truc que j'ai pas. Tac. Ok. Ouais, je pense pas que j'aurais beaucoup mieux. Let's go. J'ignore comment je les recycle. Ah! Peut-être avec ça? Ah oui, il y a peut-être de ça. Il y a peut-être un bail comme ça là. Ok. Une turbine Bemotrix Rixme. Pour faire remonter de l'eau. Ou je sais pas quoi. Remonte des choses. Ça fait quoi? Turbine marémotrice. Utilise des courants océaniques pour produire de l'électricité. Peut être placé dans un océan profond. Ah oui, d'accord, ok. Ok, c'est bon, j'ai la ref. Ok. Ça marche. D'accord, et forcément, donc, je vais avoir un océan... Ah, ça me recycle mes grosses structures en béton, là. Ah, excellent, ça. Vas-y. Je suis d'accord. Je vais chercher la double structure en bétonasse, là. Non, il n'y en a qu'une pour lui ramasser. On va la prendre. Hein. Peut-être poser ça un peu vite, quoi. Ouais, moins 25, y'a rien à récupérer. Ah! J'ai vu un plus 100. Ah oui, parce que je récupérerai ma compasse avec. Juste cette bâtisse, c'est très bien. Pour l'instant. En l'état, c'est très bien. Est-ce que ça me donne la stabilité quand je enlève ces bâtiments-là? J'ai pas regardé. Quand on clique ce béton. Non, j'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit. Ok, 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 c'est pas grave. Hop, on va se placer ça donc ici. Hop. On va essayer de se refaire un réseau du rail. Hop là, il est un peu loin mon réseau du rail. Voilà. Une marée motrice suivante, ça serait genre intéressant par où, genre par là. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais si, d'accord, ok, si en fait, ok. Donc même au contraire, on va même la reculer le plus possible par là, de façon à ouvrir comme ça. Ah oui, on voit que ça creuse le sol, c'est bien fait. C'est bien fait. Je suis plus gagnant comme ça, vas-y. Eh oui, je peux plus venir le récupérer là. Je sais pas comment je le récupère.
pas la déplacer, toi, admettons, si je te place, faire des dingues, hein, mais je peux pas ramasser ça, c'est non valide. Non. Bon, économiser un poteau. Toi, je peux évidemment te mettre là, je peux aller chercher de la marée motrice par ici. Faisons déjà avec ce qu'on a, même si celle-ci, du coup, est peut-être placée de manière parfaitement inutile. Dans tous les cas, d'après ce que j'ai compris, faire monter notre humidité, c'est un bon deal. Oui, parce qu'après, visiblement, il va falloir faire monter aussi la température pour avoir du lierre. Donc, voilà, pour avoir du lierre, faut beaucoup d'humidité, il faudra faire monter la température. Ce qui, pour l'instant, ne nous arrange pas. Pour l'instant, il nous faudrait juste de l'humidité. C'est à penser hein, comme histoire. Je sais même pas si c'est intéressant. Oh, si, ça va, on a de la flotte partout. C'est vrai que c'est pas vilain. On a de l'eau partout pour l'instant. Donc c'est vrai qu'on peut faire, voilà. On peut se faire des trucs un peu sympas, quoi. Genre à base de plus 18%. Voilà. On fait des fleurs. Est-ce qu'on peut aller chercher de la pluie là-dedans? Non. Par contre, on peut aller chercher des champignons dans les forêts. Bon, pour l'instant, je sais pas trop si ça. Jusqu'ici, il y a surtout la pluie qui a prouvé son utilité, son efficacité. J'ai envie de dire avant de tout. Ouais. C'est de voir si on peut pas avoir un peu mieux que 16%. Mais bon, ouais, 16%, on va pas se plaindre, on est déjà bien. Ok. Voilà, il est censé se passer officiellement des choses, il se passe rien du tout. La mousse sur les surfaces, c'est encore 10% de plus. On a du budget, hein, je peux poser un appel. Je peux poser lui en plus, hein, y a pas de problème. Voilà. On est très bien. Bon. Le climat s'est bouclé. Maintenant, revenons à nos histoires. On a de l'énergie. Ici. Ah, ça dépollue l'eau aussi? Ah, on peut dépolluer l'eau aussi. Mais à première vue, pas partout. Genre, il y a des endroits où non, ça dépollue pas, c'est nul quoi. On peut se poser ça ici, ouais. Oui, on va tirer. Hein. On va tirer. Mais est-ce qu'on a besoin de tirer plus que ça? Grande question, parce que. Rappelle qu'on a un réseau monorail qui va nous permettre de potentiellement déplacer nos structures. J'ai quand même posé la max et après on verra comment on jongle avec ça. Voilà. On va rien pouvoir poser trop dans le coin. Oh, on va pouvoir poser quelque chose ici. Donc finalement, la grosse turbine au milieu, c'était pas une si mauvaise idée que ça. Est-ce qu'avec ça je peux déplacer? Oh oui, excellent, excellent les gars. Par contre, je peux pas non plus le déplacer partout. Ok. C'est pas grave. Hein. Moi ici, à plus 56, je prends. Hein. On va faire pareil. Hein. On va venir déplacer les autres. Hein. Voilà. On a fait une petite boucle. On va en profiter. Est-ce que c'est pas le moment? Waouh! On va trigonométriser comme ça. Oh, allez. C'est parti. C'est juste parti en fait. Ouais, après j'ai de l'océan par là. Je pourrais rien construire sur cette surface. Mais soit vas-y, pousse-toi ici. Ah, ici, alors, du coup, il est peut-être plus intéressant d'être cherché par là. Non, ça couvrira pas, donc. Mets-toi comme ça. Ça, on peut venir relever peut-être des choses par ici. Oui, on peut peut-être venir faire des trucs. On va. Bon, vas-y, relève d'abord. Relève d'abord de la terre.
contre, j'arrive vraiment pas à savoir pourquoi. Ça, c'est deux choses qui sont un peu dommages. C'est dommage qu'on me dise pas combien de cases là je remonte. J'ai pas l'info. Genre, c'est quoi le plus opti, par exemple, à remonter? Ouais, ah oui, je suis vraiment trop en bordure de mer. Ça veut dire que je suis trop en bordure. Est-ce qu'on peut encore venir ici? Ça me ramasserait que ça. C'est pas possible. Si, ça me le ramasse là. Allez, vas-y. Je vais me le ramasser. C'est pas grave, je vais reconstruire. Pourquoi pas, ça peut être intéressant de tapisser ça. Parce qu'ici, il doit y avoir moyen de faire quelque chose. Oui, il y a moyen de faire quelque chose. Par contre, est-ce qu'il y aura moyen d'aller le chercher après? Moins sûr. Moins sûr, alors que là, j'ai envie de dire plus sûr. Qu'est-ce que ça nous offre? Là, des belles terres. Là, vite fait. Oh, ouais, ça vaut le coup. Et on normalement devrait pouvoir aller le chercher après. Excusez-moi, ça c'est mon téléphone. C'est Shinai qui m'informe qu'on va pouvoir wartail comme des sourds. Ne vous inquiétez pas, on va vous faire ça aussi. Je peux pas le récup, hein, par contre, hein, c'est un vrai problème. Pourquoi t'es pas connecté là? Oh vas-y, hein, la maxi toile. Ah bah oui, y a plus rien. Bah oui, mais tu me permets pas de récupérer mes trucs pousillés, pourris et inutiles. Là. Tu me dis qu'on peut les récupérer, mais peut-être connecté au réseau. Ah non, peut-être connecté au réseau de monorail. Nuance technique. Ok. Donc on pourra pas aller recycler tout de suite, tout de suite. Ça a pas d'intérêt. Ça a déjà été purifié de. Ouh. C'est un intérêt. Un gros intérêt de même. Ça va avoir un très gros, très très gros intérêt. Avez-vous vu la taille de mon intérêt? Tout de suite, c'était impressionnant. Bah, stabilité géologique, je sais pas combien je dois la faire descendre là, parce que moi je fais des trucs super, hein, mais j'en vois pas trop l'utilité. Hein. Ouais, cool. Ouais, super. Pas valide. J'ai rajouté un potal, mais la cible n'est pas valide. Je sais que c'est irrécupérable ces trucs-là. Oh, on peut faire un truc comme ça? Trop stylé. Je prends. Par contre, pareil, je peux pas le récup hein, avec mes idées d'idiot là. Voilà, il est irrécupérable. Je me suis bloqué tout seul là, c'est ça. Hein. C'est ce qui vient de se passer. Hein. On est tous d'accord. Hein. Est-ce que c'est intéressant de le poser là? J'aurais bien envie de dire que oui. Et alors lui en plus, normalement, je vais pouvoir le récupérer. Hein, donc, j'ai envie de dire, allons-y. Hein.
même pour 3 carrés de terre, ça vaut le coup. Prenons 2 carrés de terre. Et prenons un pylône qui aimera 140 boules, vas-y, hein, on voit. Voilà. 40 boules, régal. Voilà. Comme ça, moi, je remets un potal. Hop, voilà. C'est connecté. Je peux remettre des centrales. J'ai juste besoin d'en mettre une ici, hein. C'est large. C'est largement suffisant. On est à 60% d'humidité. Faudrait passer à 70 idéalement prochainement, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'il est. Bon, il est grand temps de poser des trucs, quoi. Parce que là j'ai rien ici qui. Ok. Ouais, bah oui, moins 45, donc on est. Ce sont des choses qui arrivent. Attends, t'es en train de me dire qu'en fait. Ah oui, c'est considéré comme étant au niveau du sol, donc en fait je m'en fiche, je peux le poser comme ça. Ok. Ok, ok. Donc toi t'es considéré vraiment comme une colline. Ok. Alors. La première pause. Faudrait qu'elle soit pas mal idéalement. 108 qui me dit le monsieur. Et dans ce sens-là, il me dit c'est dégueulasse, chef. Ah bon, d'accord. Dans ce sens-là, il dit ouais, c'est pas mieux. Bon, d'accord. Pas très coopératif, monsieur. On peut rien poser par là. Par là, on peut poser quelque chose? Rien du tout. Rien du tout. Bon. Ah! Je peux moi-même exploser des trucs pour accéder à mes machines à les récupérer. D'accord. Ouais. Ouais, bof. C'est pas terrible comme système. Hein. C'est pas terrible, c'est pas évident. Le truc, c'est qu'il va falloir couvrir aussi ces zones un peu nulles. Là. Allez, couvre-moi ça. Parce que j'ai pas d'élec par là, mais là par ici, j'en ai... des verdoyages 35. Ouais, bon, c'est pas ouf. Hein. Mon placement est pas dingue. Hein. Faut dire que le décor aide pas beaucoup. On peut faire sauter des trucs comme ça. Non, on peut pas faire sauter des hauteurs. On peut faire des. On peut vraiment se faire sauter que. Que ce qui nous embête. Mais de toute façon, ça ici, il va falloir que je le fasse sauter. Hein, parce que si je peux pas les récupérer. Je peux vraiment pas les récup, mon truc là. Ah oui, non, je peux vraiment pas quoi. Vraiment, genre, il y a quelque chose qui gêne, quoi. Fais sauter ça. Hein. On peut toujours pas. Parce qu'il y a un bâtiment ici, en fait, il saute pas. Il faut vraiment que je le mette là. Il va falloir que j'utilise 3 explosifs pour y aller, vraiment. C'est vache. Ça fait monter la température, hein, visiblement, de faire ça. Hein. Oui, oui, récupère-moi tout ça, ça te fait plaisir. Vide les lieux. Super. Magnifique. Maintenant, on est bon pour recommencer. Pouette-pouette. Oui, du coup, plus comme ça. Ah, même pas en fait. Vraiment là. Vraiment là, on va vraiment en avoir besoin à cet endroit-là. Mmh. 156, on n'est pas large. Il va falloir donc faire les choses bien ou tout du moins le mieux possible. Moins 21, on va limiter la casse.
Ce qui me permet d'en poser normalement un deuxième. 31, mon 27, ça... Ouais, on va aller chercher. Ouais, non, ça m'emmerde, il faut quand même que je couvre cette zone-là. C'est comme ça, voilà. Comme ça, je peux poser lui. Et on rentre un peu de points. Ok. Ouais, j'emmène pas l'argent avec cette histoire. Hein. On n'est pas serein. Hein. Moins 20, moins 17. Moins 17 ici, comme ça. D'accord. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais vas-y, moins 17, je prends. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sauvable, utilisable, exploitable par ici? Pas l'air dingue. Hein. Bon, en même temps, je suis en train de claquer des trucs pour rien. Hein. Déplace-toi ici. Hein. Voilà. Faut que j'arrête de dépenser bêtement pour rien. Quel couillon aussi. Potentiellement, même toi, je peux te récupérer. Regarde, hop, je mets un petit potal ici, là. Ouais. Ouais, comme ça, merci. Je préfère. Hop, je récupère ce truc-là. Ah, tu veux. Se porter à un nœud de monorail connecté. Ah oui, oui. Certes. Je comprends ce que tu dis, le jeu. 41, allez hop. C'est déplacé, on reprend des points. Ah, des économies, j'aime ça. J'avoue que j'aime beaucoup. J'aime l'idée. L'idée me plaît. Waouh. De ouf. On va tapisser. Oui, on va chercher ça. Il va falloir chercher aussi potentiellement là-haut. Alors c'est une vraie question ceci dit. La vraie question c'est... c'est est-ce que je dynamite, à quel point je dynamite quoi. C'est de la dynamite. Je peux pas aller récupérer celui-là, c'est pas grave, on va récupérer celui-là. Plus 15 hein. Ah oui, on peut clean quand même pas mal d'eau. Hein. Pas gênant. On est là pour ça, on va nettoyer. Hop, hop, hop. C'est très joli, c'est du plus bel effet. Certains diraient même c'est kawaii. Hop. On va abuser de lui, hein. On va clairement sans pitié. Hein. Allez, on va le poser partout. Je peux me le reposer là, moins 26, ok, si tu veux, même moins 20 je prends. Hein. On va le trimballer, mais partout. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. On va encore le récupérer. Je voudrais le poser par là. Ah, plus 5, on arrive à tirer. Ben, on va le tirer, notre plus 5. Hein. Ensuite, on va amener un potal ici. Si on peut le déplacer, voilà, en bordure de côte. Voilà, on clean. C'est beau ça. C'est beau ce qu'on fait. Hop. Plus 10, plus 3, plus 4, vite fait. Des trucs et des machins. Oh, l'économie, infini de budget. Tellement infini, hein. Tellement infini que j'ai presque envie d'envoyer toi là, ramasser ça déjà. Parce que pour l'instant je vois pas l'utilité de garder ma station. Ou même mon épurateur puisque ça y est j'ai mon taux d'hygrométrie. Non je pars en dessous, je suis en dessous de 70. Non, c'est vrai qu'il faut que je remette un... Faut que j'en remette un. Oui on sera large. On sera très large là. Oui on sera très large aussi. Posant ici. Ah, très joli. Ok. Bah on va continuer à balader notre machine. Hein. Nos machines plutôt. Parce qu'on en a quelques-unes. Tac, tac, tac. Ouais, par là c'est pas mal. Hein. Tac. On va aller chercher des petits potals.
Hop, on va le ramasser de nouveau. Oh, finalement, ce niveau est d'une certaine sérénité. Seule chose qui m'embête un peu, c'est qu'on va être obligé vraiment de creuser des sillons au bon pour aller récupérer potentiellement le matériel. Mais bon, c'est pas tout de suite encore. On a le temps de voir. On va poser une. Ok. On peut pas poser une centrale par là. Oh, très bien, on a un budget. Hop. Tac. On va pouvoir aller poser ça par ici. Voilà. Enlève-moi tout ça, on a déjà un gros réseau là. Voilà. Poser des conneries en eau profonde. Je peux pas en poser. C'est parce qu'en fait j'ai surtout besoin de pouvoir poser là finalement des flotteurs. Des casseurs flotteurs là, des turbines marée motrice. Puisque c'est ce qui va me permettre d'aller. Je peux le récupérer, mais je vois pas l'utilité d'aller le récup. Bon, pourquoi plus 25? Pourquoi j'avais un plus 25 là? Ah oui, parce que ça me rapporte que 25 d'en soulever une, je peux en soulever deux. Ouais, c'est pas utile. Pour l'instant, c'est pas utile. Non, ce qui serait intéressant, c'est que j'aille jusqu'à elle. Mais le problème, c'est que d'aller jusqu'à elle, ça veut dire que ce que je viens de construire, bah faut que je fasse un trou dedans. Ouais. Vas-y. Hein. On va tenter de limiter les dégâts. Parce que, en fait, c'est moche. Je construis des trucs pour aller les faire sauter juste après. Je construis de la terre pour la faire sauter, quoi. Donc, je vois pas le. Je vois pas l'intelligence de la chose. Est-ce qu'on peut plutôt l'amener par là? Parce que je voudrais pas ramasser trop de poteaux. Voilà. Il y a peut-être moyen, par exemple, en faisant pas trop de dégâts, de pouvoir aller chercher celui-là. Ah dommage, non, il va falloir que je fasse du dégât. Ouais, il va falloir que je croque sévèrement dedans. Ça m'embête. Hein. Ah là, ça va faire sauter ça carrément. Oh non. Oh là là. J'ai pas envie là. Ça fait vraiment des trouées. Là, je trouve ça idiot. Ça me fait détruire ce que je me suis embêté à créer quoi. Allez, ramasse-moi ça. 80% d'hygrométrie, on est pas mal. La température 4 degrés, ça commence à monter. Ok, c'est pas trop mal ça. Ça, c'est pas trop mal. Oui, même plus par là, parce que les océans, c'est pas trop nécessaire. Tac. 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 Hop, hop, hop. Oui, repousse-le dans les terres, si tu veux. Hop, hop. Hop, on va le ramasser. De là, on peut l'amener oui, par ici. Parce qu'il faut qu'il soit à portée de pylône, donc là, il faut que je déplace un pylône. Voilà. Là, je peux le ramasser. C'est joli mon histoire, c'est joli, ça rend bien. J'aime bien. J'aime bien ici la connard en production. Moins 6, ok. Ça me coûte quand même, hein. Mais bon. Ça permet quand même de travailler de manière très opti à moindre frais. Hein. À très moindre frais d'ailleurs. J'en sais rien, moi, ramasse-toi, ramasse-le. Voilà, on a plus 5 ou plus 15. On va le poser. Ah, c'est pas sur le même niveau, ok. Pose-le ici. Encore 16% de stabilité, mais je sais pas si pourcentage de végétalisation de la remplit cette jauge en premier. Ok.
J'ai pas l'air d'avoir de gros objectifs de stabilisation du sol, donc on va partir de là, Osef. Hein. Le Osef est complet. Et on peut pas aller forcément beaucoup plus loin. Bon, tant pis, hein, tu vas là. Voilà. Bon, si on veut chipoter, faut le ramasser pour aller le mettre par ici, pour aller colorer quelques cases supplémentaires. Voilà. C'est déjà pas mal, je trouve. Je trouve qu'on est plutôt bien. Je sais pas trop ce que j'aurais pu... ouais, si je peux encore les stabiliser dans cette région. Mais en fait, c'est les stabiliser ce que je... Ça va être pour redétruire ce que j'ai stabilisé, en fait. Ouais, la limite par là. Et encore, hein. Parce qu'en fait, je me casserais des chemins... la seule chose qu'on pourrait aller stabiliser, aller c'est par ici. Mais pareil, on va s'enfermer, il va falloir dynamiter. Donc pour l'instant, en attendant de voir si le jeu me donne plus d'objectifs sur ce sujet-là, moi je propose de végétaliser comme un idiot, comme il nous le demande, quoi. 48, ouais, on va prendre 48. Vous me croyez si je vous dis que mon café il est gelé avec des petits glaçons? Je pense que oui. Poète. Oui, on va prendre ça aussi. Hein. Je vais pas me gêner. Hop là. Pareil, je peux en déplacer. Pour l'instant, j'en pose quelques-uns parce que je pense qu'on en aura besoin pour en faire ensuite des arbres, des choses comme ça. Et moi, j'en ai genre 3. Tant que j'ai un peu de budget, on va les utiliser tant qu'on a un peu. Je crois qu'il y a que là où j'étais un petit peu embêté. Ouais, on peut pas aller chercher là-haut. Ok. Ouais, non mais c'est bon, on va pas non plus courir après une case non plus. Ok. Tac, tac, tac. Ouais, non. Un L comme ça, pour une fois, ne me sera plus utile qu'autre chose. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça couvre. Poète, poète. Bon. Il n'est peut-être pas non plus à la casse près. Je chipote un peu. D'accord, le dragage peut avoir rendu le sol instable, mais cela ne doit pas vous empêcher de créer de la biodiversité en façonnant des lagunes et des bosquets de bambou dans les infrastructures de gratte-ciel. Faites aussi pousser des forêts de feuillus dont les racines briseront le béton. Ouais, on sent l'écran qui vibre, il nous dit c'est instable. Bon, j'ai bien fait de pas descendre trop la stabilité finalement. Fourni de la caillasse. Créer de la roche. Purificateur thalassique. Ça fournit de la végétation, nettoie une zone fermentée de l'océan pour y créer hein, une lagune. C'est intéressant ça. Ah mais je fais pas assez chaud. D'accord. Et toi? C'est littéralement construire des grosses forêts. Pousser des bambous à partir de l'infrastructure d'un gratte-ciel, recycler un gratte-ciel abandonné pour révéler son infrastructure. C'est pas mal, hein, c'est cool. Si je fais ça, je vais voir d'autres choses apparaître. Nécessite 5... Ah, c'est quand même con d'avoir gratté de l'économie pour te dire finalement, au final, faut que tu me les poses, quoi. Faut que tu me sortes un budget, coco. Ça fait descendre la température, l'hygrométrie. Ça va me la faire monter. Ouais. Ouais, va falloir mettre un petit coup de briquet à un moment donné, je pense. Voilà. Il est peut-être temps de monter une température. Oui, j'ai compris que le sol était pas très stable. Voilà. Premièrement, tous les objectifs climatiques y sont remplis. Bon. Rien d'autre à ajouter. À première vue, faut que j'en pose quand même un certain nombre. Séisme imminent. C'est faire ce qu'il a à faire. Ça a tout cassé.
Ah, ça libère de la toxicité, sa race. Un drame est survenu. Purificateur anti-radiation. Pylône. Ah, parfait, putain. Excusez-moi, flûte, saperlipopette. Enfin. Enfin. C'est pas trop tôt. Alors. C'est pas trop tôt, c'est pas trop tard, quoi. Je prends l'électricité d'où? Mais non, mais on s'en fout, j'ai l'électricité là, moi. Je peux pas aller le mettre plus loin? Pourquoi? Pourquoi je peux pas le poser là? Pourquoi je peux pas, genre... Pourquoi je peux pas le poser là-bas? Pourquoi je peux pas le poser en pleine zone rade? Attends, c'est quoi ces conneries? Ouais, d'accord, super. Mais... Ah, je suis condamné à avoir une zone rade pourrie là? Non, tu te moques de moi là. Impossible de construire à cause des radiations. Mais t'es en train de tout fiche ma tête là. Ah, alors attends, je vais déplacer. Oh, ça sent le jeu de jambes là. Hein. Non, en plus je peux même pas. Fais-moi ça. Fais-moi ça. Boum. C'est pas mal. Ok, c'est des zones à tournesol, à tournicotis, à tournicoton. Faut que je me remette, voilà, un truc comme ça. Le plus bel effet. Je peux te déplacer, toi? Oui. Eh bien, n'hésite pas à revenir ici, puis à te déplacer de là à de là. Hein, ou de là, ou de comme ça, quoi. Enfin, débrouille-toi, quoi. Fais des trucs. Fais ce pourquoi tu es payé. On le paye pas. Ça, qu'on lui a pas dit. Il est stagiaire. Donc, est-ce que je peux les déplacer ou je les ai vraiment sur les côtes Ok, ils sont, je les ai sur les côtes ad vitam aeternam. Super. Je dirais bien que comme d'habitude, en termes de budget, on va pas être super large. Je vais vous demander de prendre un air étonné. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Enfin, que j'en pose encore un troisième. Oh, dis-moi que ça suffit. Oh, non, ça suffit pas. Voilà, ça, parce qu'à une case près, je pouvais pas le poser. J'ai un peu le démon. T'es en train de me niquer tout mon budge. Impossible de construire à cause des radiations. Ok, j'ai qu'un vieux set naze. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'idéalement, il faudrait que je dépollue aussi par l'arrière. Genre, je le repousse par là. Je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas trop l'intérêt de son truc là. Ça repoussera un peu plus de rades. Mais de toute façon, ça va pas jusque là. Ça fait que les quelques cases devant, vite fait. C'est, ça occupe vraiment que la zone qui était polluée. Non, normalement. Faut juste de l'humidité, c'est favorable. Patacoufin quoi. Donc c'est juste parce que c'est une sphère autour de lui, donc oui, il faudrait dépolluer cette zone-là. Est-ce qu'on peut aller chercher un poteau ici, puis un poteau par là? Moi, je m'en fous, hein, moi je suis un sac, hein. Moi je fais le fou, hein. Moi je fais le fou. Je veux voir jusqu'où en fait on peut pousser cette histoire. Je paye pour voir comme on dit. Ouais, bah, c'est juste que c'est de la merde. Ah oui, en plus c'est de l'eau autour après. Pff, ouais, en fait, j'ai fait vraiment tout ça pour rien. J'ai vraiment gaspillé tout mon budget pour rien. Voilà. Après, ça a permis de poser un poteau électrique. Voilà. Voilà. Bon. Ok, admettons. 10, 15, ouais. Ouais.
Ouais, attends, peut-être plus par là, ça serait peut-être plus intéressant qu'on essaye de se caler par là. En mode comme ça. 15 aussi, bon, ça change rien. Cale-toi quand même. On va prendre ce qu'il y a à prendre. D'ailleurs, il faut que j'en pose des trucs comme ça. Le jeu m'en a réclamé, je vais lui en mettre. C'est plaisir. Parce qu'il m'a dit, ouais, si t'en as 5, je te débloque un truc. Plus que deux épurateurs et puis on sera bon. Ok, le jeu, ok. Je t'ai compris. Ah oui, parce que plus je vais prendre deux cases par là. Ouais, mais je veux couvrir cette zone-là. Moins 7, moins 3. Ouais, moins 3, ça me va. On couvre cette zone-là. Même si je suis un peu bête, parce qu'en vrai, je me mets du moins alors que, tac, je peux me mettre du plus. Sans forcer. Voilà. Alors, sans forcer, hein, plus 23. Pourquoi plus 23? Qu'est-ce que je récupère de mieux? Bon, bref. Allez, plus 23. Ok. On a une autre zone de radiation à gérer. Celle-ci. Et. Alors, elle a pas grand-chose en bout de terre, celle-là. Ah, on ne peut pas, on est dans la rade là. Ça n'a pas d'intérêt donc. Ramène-toi en arrière. Faut que je passe par là. Oh là là là, mais je peux pas là en plus passer par ici là. Le. Attends, il me met vraiment dedans comme ça le jeu. Tu déconnes le jeu, c'est vraiment. C'est ta pire blague ever là. Allez, attends, recycle-le. Je vais essayer de passer par là. Je vais voir. Tu me fais une blagouze le jeu. Une blagounette. Il me fait pas une blagounette. D'accord, tu ne me fais pas une blagounette. Donc il va falloir que j'en mette une tonne. C'est ça ton projet, le jeu. Non, ça change rien. Parce que moi il faudrait que j'en pose un là, mais je peux pas en poser un ici. Déjà, est-ce qu'on peut, avant que je m'énerve, raccorder les deux, ou les 3, les 12, les 15, comme vous voulez. J'ai pas, je suis pas fou en choix. Hein. Qu'est-ce que je peux brancher? Pourquoi je peux pas le brancher là? C'est quoi ton problème? Voilà, je peux aller en brancher ensuite un par ici. Donc ça, c'est ce qu'il faut que je fasse. J'ai pas le choix. Oh, il faut choisir des angles d'attaque. C'est devenu un jeu de stratégie. Hein. Je vous le dis. Hein. Voilà. Impossible de construire à cause des radiations. Donc il faut que j'en repose un. Voilà. J'ai plus de budget à un moment donné. Il va falloir peut-être arrêter vos conneries. Voilà. Waouh. Qu'est-ce qu'on va nous demander? Une température supérieure à 25 degrés, inférieure à 5 degrés. Sérieux? Il faut que j'ai une température inférieure à 5 degrés là. Donc, ah oui, donc il va falloir faire des microbiomes. C'est vraiment ce qu'on est en train de me demander là. Je vais péter un plomb. Je zen, j'avais dit jeu violent, je crois, à un moment donné. J'avais prévenu. Jeu atrocement violent. Éloignez vos enfants. Faites pas les dingues. Vous n'êtes pas prêts. Moi non plus d'ailleurs, qu'on soit bien clair. Tac, tac, tac.
Ok, bon. On est pas mal. Beaucoup d'hygrométrie. Comment je vais gérer mon histoire de chaleur? En fait, ça m'embête parce qu'il faudrait vraiment genre monter à plus de 20 degrés. Mais il faudrait aussi que j'ai moins de 5 degrés. Je sais pas comment le jeu veut que je gère ça en fait. C'est très étrange. Alors là, il faudrait vraiment 15, 20, 25. Et on va plutôt rechercher les plus 25 degrés. Comment tu veux que je descende? Il faudrait vraiment que je descende genre à grand coup de moins 4, moins 5 degrés là. Comme un fou, genre. Comment je végétalise le reste déjà? Parce que là, il est en train de me dire ouais, blabla, machin. Alors, voilà. J'ai des vieilles bâtisses, voilà. Comme ça. Boum. Ah non, ton terrain n'est pas... ok, ton terrain ne peut pas accepter la pousse. Ok. Ok. On a d'autres comme ça qui donnent des points gratos. Allez. Ça régale. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Lui, on a notre dose. Ensuite. Lui, on est bon. Des lagunes. Alors, il me faut des lagunes. J'ai la bonne température, on est favorable à la création de lagunes. Nettoie une zone fermée de l'océan pour y créer un lagoon. Zone trop vaste pour être nettoyée. Ah. Trop vaste? Mais vous êtes sérieux là? Ok, d'accord. Ah oui, oui, quand même. Ok, hein, si tu veux. Mais c'est un peu chiant ton histoire. Hein. C'est vraiment. Je peux vraiment te mettre nulle part parce que tout est trop vaste. Ce qui veut dire que tu vas m'obliger à replanter des trucs comme ça là. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Cool. On est hyper content. Hyper content, on pouvait pas rêver mieux. En 13, c'est nul. C'est trop vaste! Non mais t'es sérieux! Oh, c'est, il faut des micro-zones quoi. Allez, hein, on va chercher moins 27. Oh, on va aller chercher les micro-zones, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut aller planter un gars comme ça ici là. Pour réduire la taille de l'océan. Putain, c'est vraiment. C'est vraiment, t'es au désespoir quand tu fais ça. Ouais, parce que je vais même pas pouvoir fermer la zone, donc non, c'est nul. C'est débile, vire ça. Bon, on va aller gratter ce qu'on peut gratter. Hein, que... Le jeu est pas très coopératif, donc. Ça rapporte rien. Ça rapporte rien. Trop vaste pour être... Mais elle est toute petite ta zone, tu me fais quoi? Mais il est fou lui. Voilà, ça c'est tout petit, qu'est-ce que tu me fais? Ah, ça maintenant c'est devenu une petite zone. Voilà, petite zone à 125. Ok, d'accord, c'est... On est bon, j'ai créé la zone de nos rêves. On est bon. Des forêts de feuillus. Ben, je peux pas faire ça parce qu'il faut que deux épurateurs supplémentaires. Très bien, on vient de créer un bout de terre. Donc figurez-vous que deux épurateurs supplémentaires, ça peut se faire. Ici, épurateur. Ah, oui, mais il faudrait que je dégomme ça. C'est parfait. Vous pouvez pas rêver mieux. Alors, je le dégomme, mais en vrai, je pourrais aussi tirer un poteau électrique maintenant. On oublie, mais on a des turbopotales maintenant. Ouais, c'est ça qui nous apporte du courant. Et, on est aussi avancé technologiquement, mais c'est seulement maintenant qu'on découvre le poteau électrique. Hein. Je suis hyper zen. Franchement, je suis un modèle de plénitude, de tranquillitude. Tranquillax, tu vois. D'accord que là il m'en reste plus qu'un.
D'accord, je t'en pose un autre. Là, puisqu'il couvre tout le reste, donc c'est très bien. Et là, donc, t'es heureux. Et là, tu vas me dire comment j'ai planté mes bambous. Pas ma forêt de bambous, mais d'autres choses, là. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Conservatoire végétal. Les racines des arbres brisent le béton environnant, qui fait place à une forêt de feuillus. Doit être construit sur un épurateur. Bon, ça, on peut t'arranger, frère. Hein. C'est pas de soucis, hein. Ce 94, hein. 66, hein. Regarde. Hop. Petit bonus de 66 là. Je crois 82. Eh, ça va être plié en deux frames ton histoire. Moins 25, oui, mais ça ferait joli. Allez, plus 18. Ok. Pour finir, vous devez recycler toutes les structures humaines, réintroduire des animaux et construire. Excusez-moi, je récupère le café. Une fusée interstellaire afin de quitter la Terre. Lancer des balayages par satellite pour récolter des graines sur toute la planète et stockez-les dans la salle dédiée à bord de votre fusée. Enfin, emportez ce guide dans le cockpit de votre vaisseau et laissez derrière vous une nature entièrement restaurée. Café. On n'a pas fini. Vous savez que c'est une phase où j'aime bien moi me planter personnellement, hein, le moment de la récupération, très fort au jeu là. Et l'autre problème que j'ai, c'est que je n'ai pas mes éruptions de végétation, je n'ai pas ma pluie, je n'ai pas mes forêts de varek. Alors, moi je serais bien chaud pour commencer par refroidir ici, la planète. Moi je suis chaud. Moi, je suis un dingue. Je sais, je suis un dingue, je suis un peu trop dingue même, d'ailleurs, certains disent, mais... Il y a même qui disent que je suis complètement siphonné. Voilà. Ouais, moins 5, hein, vas-y, balance. Hein. On a 1100, refroidis-moi cette planète tout de suite. Hein. C'est bon ah non, c'est pas bon, justement, il m'en faut encore un. Donc c'est moins de 5 degrés. Forêt de Varek. Félicitations. C'est bouclé. Maintenant, processus inversé. Alors, pour la récupération, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a les classiques. Formidable. Ouais, là, très joli sur ce toit. Magnifique. Ce que j'aurais besoin, donc, c'est... on peut commencer par ramasser ce petit lot-là. Comme ça. Hop, je ramasse tout de suite mes évaporators. Ah, non. Oui, non. Non. Bon, on verra. Faites vos trucs. C'est quoi le drone? Améliore votre drone de recyclage lui permettant ainsi de parcourir toute la carte. C'est accepté. Station terrienne à satellite. Permet à un satellite... Excusez-moi, j'avais cru que j'avais renversé du café tellement je m'en suis mis peu en fait dans ma tasse. Sérieux? Ah ouais. Non, c'est vraiment ce que j'ai fait. Lance un satellite qui permet de rechercher des espèces végétales et de collecter des graines pour la salle de stockage de semences. Oui, si tu veux, oui, tout à fait. On peut se poser ça aussi. Tiens, regarde. Hop, on sent un petit quartier comme on dit dans le milieu. Au revoir, petit ballon. Silo à fusée, la structure de base pour la construction de votre fusée. On peut poser ça discrètement, voilà, ici, là. C'était discret. Hein. Blam. On peut poser un propulseur. Une des étapes sur tout le reste. J'ai l'impression qu'on est en train de me demander beaucoup de points, là. Le système de com A... ça commence à coûter cher. 150 bifs là. Ah, c'est quoi? Salle de semences satellite. Et donc Pascal. Ah oui. Excuse-moi. Attends, ça reprend vraiment mes maps d'avant ou c'est des maps aléatoires? Non, j'ai l'impression que c'est vraiment ma map d'avant avec mes trous d'emplacement de canon. Ok. C'est trop drôle ça. Alors ça c'est vraiment trop drôle.
De la forêt, hein, de la forêt. On en a un petit peu là. Régale-toi, ma poule. Voilà. Hop. Ah oui, je peux tous les faire comme ça, genre. On peut faire le suivant. Bah, les arbres, tout est bon, on a tout validé. Qu'est-ce que tu m'embêtes? Zone suivante. Ah, tu veux juste trouver de la... Bah non, c'est quoi l'idée? J'ai que 3 biomes ou tu cherches un lac aussi? Parce que je sais qu'il y avait le lac des cygnes là. Bah non, puisque j'ai... Il voit que 3 biomes. Il voit que 3 biomes. Tu vois rien d'autre, bonhomme. Bah on est bon. Oui, je vois pas ce que tu veux de plus. On peut aller à la zone suivante? Bon, on va le laisser aller à la zone suivante, visiblement. Très bien, budget suivant. On a encore rien introduit, on est déjà en train de se préparer à partir. Hein. C'est quoi ça qu'on lance? Système de com B. Ok. Suivant. Ça c'était une capsule de je sais pas quoi. Ça c'est un silo de recyclage, je sais pas ce que je veux. Un système de com C. Ah, c'est tout en végétal. Hein. Un système de survie. Un système de com D. Nécessite de rappeler le ballon satellite. Ok, donc là ce sera effectivement pour la fin. Espèce animale découverte. Ils me les ont mises où? C'est dans celle de Geek, c'est. C'est pas ce que je cherche. Normalement c'est là. Ah oui, c'est là. Très bien. Et ben qu'est-ce que. Alors c'est quoi le truc? Ce reptile à carapace aime nager dans les grandes lagunes. Oh bah alors ça, mon gars. Est-ce que t'es refait là? Ah mais non. J'en ai pas ici, c'était trop grand. Rappelons-nous, rappelons-nous. Voilà. La tortelle. La tortelle de mer. Ce galiforme resplendissant se pavane dans les vastes prairies. Ah bah alors là... Régale-toi mon canard. Donc c'était un paon. Un paon. On peut parfois trouver ce doux géant assis dans une clairière en train de se régaler de bambou. Bambou? Bambou. Pas assez bambou? Pas assez bambou. Bambou. Voilà, le panda. En gros, le nonoche. Il faut toujours un nonoche. L'air de ce rapace féroce se trouve le plus souvent dans une haute structure près de sources de proie. Je t'ai placé des proies ici, mais alors... est-ce que j'aurais pas quelque chose de plus... De plus, tu vois, de quelque chose genre... est-ce que je te remettrais pas genre des pampans par ici, tu vois, genre... Oh, regarde, il y a des pans ici, là. Ah non, il faut les mettre un peu plus à côté. Ok. Tu vois, tu as des pans un peu plus par là, tu vois. Voilà. Et là... Un rapace. Non. Attends, me dis pas que c'est parce que c'est pas sur les mêmes hauteurs. Oh, c'est pas l'air d'être les mêmes hauteurs. J'ai rien découvert. Attends, c'est une haute structure, ça. On est pas fou, quand même. Autre structure, ça va être genre ça. Ok. Au moins 6 cases de type gratte-ciel abandonnées à proximité. Ok, ok. Et donc, tout ce qui nous manquerait, c'est de te mettre genre des proies, genre par là, tu vois. Voilà. Là par exemple on a des proies, on est content. Et toi, boum. Voilà. Nécessite un balayage. Ok. Se trouve près d'une source de proies. Mais d'accord. Bah ouais, je veux bien. Bah écoute, on va essayer de te placer un peu partout, mon gars. Qu'est-ce que je te dise de plus? Y'a rien qui te plaît, T'as l'air chiant, toi. Non, vraiment, t'as juste l'air chiant, en fait.
Je sais même pas t'es quoi. T'es un aigle? T'es chiant? T'es chiant pour l'instant. Bon, ce suiforme très répandu fouille les sous-bois des forêts feuillues à la recherche de tubercules. Pouette, un cochon. Ah, il faut un peu plus de verdure, excusez-moi. Un cochon. Voilà. Sanglier. Ce mammifère marin menacé d'extinction nage à toute allure au milieu des forêts de Varech. Je crois que j'en ai par là, non? Oui, c'est ça. La loutre de mer. Comment tu peux un truc aussi mignon? Bon, alors c'est teigneux comme je sais pas quoi, mais voilà, regarde, regarde, ça c'est kawaii. Comment tu peux... Bon, ça c'est encore mieux, ça c'est un nonoche, ça c'est encore mieux. Mais comment ça tu peux le faire disparaître de notre planète? Voilà. Vous aimez les petits trucs mignons, moi j'aime les gros trucs. Gros trucs comme ça, là. Plus c'est gros, plus c'est... Heureusement que j'étais pas là au moment où les tyrannosaures existaient, parce que sinon j'aurais vraiment fait... Waouh, le T-Rex, trop beau. En fait, le T-Rex trop beau. Il me faudrait probablement des loutres à proxy. Je sais pas trop. Là, il la voit même pas la structure pour lui. Genre, la structure, elle n'existe pas. Ah, donc à scanner, c'est un peu chiant, là. Là, je vous garantis qu'il y a une structure ici. Hein. Alors, vire-moi les... Voilà. Il la voit pas la structure, hein, donc... Il veut pas la voir la structure. Ça, c'est saoulant. Super. Bon bah c'est chiant. Est-ce qu'on pourrait donc pas se mettre des loutres dans le coin là? Ok. Je regarde ce qu'on peut se poser. Hein. On peut se mettre des loutres par ici, à moins qu'on se les caille un peu. Ouais. Non ici c'est pas les loutres, c'est les. Mais non c'est les turtles. Let's go les turtles. C'est bien pour vous. Au moins 20 cases du type. Ouais. Tiens. Ah non, il n'y a même pas 20 cases. Ah ouais. Ah ouais, donc chaud, tu peux quand même pas non plus en mettre. Tu peux pas non plus en tartiner. Ok, ici j'ai pu en mettre. Voilà, je les aurais pas. Si j'ai. J'ai les 20 cases. Bon, bah, là aussi je les ai. Là je les ai pas. Un peu plus par là. Un peu plus par là. J'ai... Mais tu... Voilà, tu vois, ce qui est dommage, c'est que là, il me dit pas j'ai combien de cases. Et, ou genre, il m'en manque combien. Ça, c'est dommage, il ne me le dit pas. Pourquoi c'est encore pollué ici? Ici, ça me dérange, excusez-moi, ça me perturbe. Car voyez-vous, je n'aime pas la pollution. Voilà. Moins 29, mais plus de pollution, virez-moi ça. Formidable. Est-ce qu'on peut ramasser des trucs, des machins Non, ça a plus d'utilité. C'est un. Ah oui, bah maintenant, oui, il va falloir que je place ça. Enfin, que je place... Voilà, ça, comme ça. Voilà. Ramassez-moi ces trucs-là. Je commençais à libérer de la place, justement, pour voir un peu... ce qu'on peut en tirer de notre histoire là de... des espaces qu'on a parce que là ici on a un peu étouffé mais il y a des pans. Est-ce que je pourrais bourrer plus de pans dans le coin? Je suis pas sûr. Je peux réchauffer cet endroit là. J'ai pas l'impression. Donc si je veux le réchauffer, ça sera un coup de briquet direct. Est-ce que c'est ce que je veux? Ah oui, bah en plus, faut que... Bah si, 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 en plus, c'est ce que je veux, parce qu'il faut que je réchauffe. J'ai pas bouclé, excusez-moi, tous les objectifs. Remontez-moi ça. Bien sûr, mais vite. Brûlez tout, voilà. Ouais, ouais, crame tout. Joseph. Oh, on crame tout, nous, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Tout ceci ne nous intéresse pas. Déjà 8 structures sur 8. Ah ouais c'est chiant. Un petit coup là, vite fait, un petit coup de briquet les gars, hein, qu'est-ce qu'on en pense? Clac! Ah, attention, il y a le panda pas trop loin. Peut-être pas tuer un panda à un moment donné. 3, 4 degrés. Objectif 4 degrés de plus. Et pour 4 degrés de plus, qu'est-ce que vous me faites quoi?
Voilà, on a des éruptions de végétation, mais il faut quand même qu'on passe à 25 degrés, donc on a encore un peu de boulot. Ce qui veut dire qu'on revient ici, on va reposer une structure comme celle-ci, pour pouvoir mettre un petit coup de flamèche. Vite fait, c'était par là, excusez-moi. Coup de flamèche ici, là, un petit plus 6. Problème réglé, voici de la pluie, ce qui va verdir tout l'endroit immédiatement, et ça c'est parfait, il nous reste plus qu'à ramasser les gens. Il ne reste plus qu'à ramasser. Ah oui, alors non, pas tout. Oui. Juste ça. Voilà. Et on va pas tout ramasser tout de suite, parce que sinon il va me ramasser mon labo et tout le bazar. Bon, pour l'instant, il faut pas qu'il me ramasse cette zone-là, il faut pas qu'il me la ramasse. Celle-ci, peut me la ramasser. Je peux lui faire plaisir. Fais-moi les goals de ce truc-là. Hein? Oh, tu vas pas commencer. Oh, excusez-moi, à m'embêter sur le fait que ça c'est en contrebas, donc tu vas pas me le ramasser avec les recyclants. Je vais pas m'énerver, hein. Ah, c'est pas du tout en train de me rendre allergique du tout là. Ramassez-moi tout ça. Les recyclages des structures, capacité de la salle de semence. Oui, on en est où là? Salle de semence satellite. Ah, on est à la ville inondée. Ok. Donc. Ça suffit ça, non? Non ça? Ah, c'est pas assez. Mais ville inondée, attends, bouge pas, hein, je dois avoir des trucs un peu sympas. Tac tac tac, c'est genre on est après tout. J'ai cramé beaucoup de bambou. Hein. Bambou? J'aurais pas de meilleure concentration bambou. Après à première vue, scanner plusieurs endroits n'a pas l'air d'être très dérangeant. Alors là, on arrive dans les forêts, vas-y. Mais d'où bien tout de suite. Tac tac, qu'est-ce qu'on avait? Nous, ce qui pouvait nous intéresser, c'est quoi comme zone qui est sympa? Je crois qu'elle est plus par là. C'est pas là. Où est-ce que j'ai du. Bon, déjà, j'ai du hombu ici. Toujours se prendre. Non, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on cherche donc? C'est de la plaine classique qu'on cherche? Je pige pas tout, mais ok. On va essayer de te trouver ton truc. Non, mais il nous reste plus que du tournesol, hein. Que j'ai pas fait mais à ça il vient de me dire que, enfin maintenant je vais pouvoir aller les scanner visiblement. C'est quoi le troisième biome qu'on cherche? Je sais même pas c'est quoi. Les tournesols, ça me dit rien, ça ne me dit rien du tout. Ah si, les autres, les city radiers. Si, ok, c'est bon, ça me parle. Ah, c'est bon, on a tout. Ok. Les autres cités, genre le glacier, voilà. Glacier, hop. Voilà. Ça, c'est réglé tout de suite. Ensuite, de la mousse, oui. Bon, vas-y, en fait. On va avoir deux sites à faire, forcément. Hop, hop, hop. Hop, hop. Ah, fais-moi celui-là avec. Voilà, t'es content. Forêt. Pouf. En une fois ça le fait. Et la mer par ici. Je crois qu'on a un truc qui est pas mal, je crois. Non, c'est pas là. On a pas un qui est un peu costaud en endroit. Alors bah ça serait probablement de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais les scanner quand même en plusieurs fois. On va pas se gêner. Voilà, c'est ce site là qui est pas mal, je crois.
Vas-y. Et on doit en avoir un troisième un peu plus haut. Voilà. Hop, c'est bouclé. Le dernier de nous deux qui rira. On aura une biflette, bien sûr. Allez hop, ça c'est pris, c'est scanné, on n'en parle plus. Ensuite, on va arriver donc sur un biome de jungle énervé, normalement en plein mid. C'est pas ça, ça le fait ça. Ça le fait complètement. Il me faut de la turboplage, voilà, genre une turboplage comme ça là. Boum. Voilà. Enfin, c'est pas une plage. Putain, vraiment les gars. Ça, c'est une plage, c'est ça qu'il me faut aussi. Bam, et voilà. Tout est fait, et on peut rappeler le satellite. Youpi. J'ai perdu ma souris. Faut prendre la souris, monsieur dame. Ah, je peux pas, je suis en scène cinématique, excusez-moi. Hein ? Ah si, ça y est, c'est bon, j'ai. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur ? Il enterre les graines ? Il fait une cachette ? J'ai tout compris. Il le dit, hein. Il fait ce qu'il veut. Pas très regardant. Fusée prête. Ok, mais j'ai toujours pas réussi à implanter mes foutus aigles à la con. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir le faire. Et lui... Hein ? Bon, c'est pas qu'il... Voilà, c'est pas que je veux être grossier, mais... Bon, il m'emmerde, quoi. Sans vouloir être grossier, bien sûr. Une capacité nulle. De toute façon, t'es déjà pris ça, même rasé, tu peux plus en replanter. Donc, on va être coincé pour. Et entre autres, une des choses qui va nous coincer, c'est le fait que le jeu refuse de voir les structures. Tatatata, près de source de proie. Ah, attends, source de proie, attends, bouge pas. Est-ce que les pans. Alors, je vais encore insister avec mes pans à la con, mais. Est-ce que ça compte? C'est bon, ils sont contents, ok. Et est-ce que du coup, toi... Me dis pas que ton endroit, il est obsolète, hein. Ça me... T'es pas considéré comme une proie. C'est quoi la proie de ce machin? Proie de l'aigle, c'est pas un cochon. Ça serait les loutres. Ah, si c'est les loutres, on est bien emmerdé, hein. Si ce sont des loutres... Ouais, il y a de l'eau vite fait, hein. Ouais, super, cool. Parce qu'il leur faut quoi déjà aux loutres? Je sais même plus. C'est... Ah si, j'ai réussi à caser des loutres, qu'est-ce que tu fais? Il leur faut... Forêt de Varek et océan en proximité. Non, mais il n'y a pas assez, en fait. Solette... Tu veux. Y'a pas ce qu'il faut, quoi. Oh bah là, son. Ok. Alors attends, s'il y a moyen d'avoir des gens heureux ici, est-ce que je peux vous avoir là? Et est-ce que dans ces cas-là, je pourrais avoir un gros piaf ici? Il voit pas la structure. Ça me bute. Ça me défonce. Là, par contre, ça me défonce. Là, le jeu, faut faire un effort, hein. Là, faut débugger à un moment donné. Le jeu, tu vas m'énerver. Donc le jeu ne voit rien, et il veut pas voir la structure. Ce qui est très emmerdant. Attends, même si je te pose là, genre tu vois pas la structure. Là, je sais pas. J'essaye de te mettre en hauteur le plus possible. Viens voir tes grosses étiquettes là. Ah, il veut pas. Il veut pas, bon bah faiblesse du jeu, hein, c'est dommage, ça m'obligera à le refaire juste pour aller le chercher. Ah, c'est très contrariant. Ah oui, alors là j'ai pas de centrale.
on s'en fiche. Alors, j'ai rempli toutes les conditions climatiques. Ouais, 95% d'humidité, on est bien rempli. Ça me laisse des petites marques comme ça, là, de... Il y a du petit bug, hein. Du petit bug. C'est pas du tout frustrant ou énervant, tout va bien. Je suis hyper calme. Certains disent même que je suis un modèle de paix. Il y a vraiment que là que je vais pouvoir poser. Non, même pas. Il y a que là que je vais pouvoir les poser. Je sais même plus où est-ce qu'ils me les détectent. Je sais même plus où est la seule structure qui me détecte. Hein. Celle-là. Alors, en fait, celle-là, ils me la détectent. Alors que. En fait, j'ai jamais trouvé c'était quoi le deuxième truc. Parce que je me suis entêté à me dire si ça doit être des proies. Mais en fait, juste la jungle en elle-même, elle suffit. Donc là, il détecte pas de structure. Donc, ouais, je suis vraiment... Il y a qu'une seule structure... Ah, il y a deux structures qui détectent. Il détecte celle-ci aussi. Mais, ouais. Bon, bah, ça m'aide pas. Ça m'aide pas du tout. Bah, continuons à plier le bagage, hein. Je m'ajoute un petit potal ici. Ah. Je vais être hors de portée de tout là. C'est vraiment ça. Je vais être en dessous de tout parce que ça veut pas. Putain. Oh, secours, le jeu, tu m'arranges pas. Ah, obligé de faire ça. Ah, est-ce que d'ailleurs... des dingues. On peut pas le tenter. Dommage. Dommage, dommage. Le drone. Bon, j'aurais tout fait pour essayer de le ramasser, hein, mais... ou d'implanter la créature, mais le jeu a pas l'air d'être très très coopératif sur ce coup-là. Ouais, ça... Ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Encore des morceaux qui traînent. Ça embête de vous ramasser. Hein. J'ai pas encore la finalité de mon truc. Ça m'embête. Ça m'embête vraiment de pas pouvoir poser vraiment. Ça, je sais même pas ce qu'il faut. Je sais pas ce qu'il faut pour... c'est quoi la prédation, le truc, le machin. Je sais quoi, je vais même essayer de commencer par trouver ça. Alors ça c'est quoi? C'est ça, il lui faut des cochons. D'accord, il faut des cochons. Est-ce qu'on peut bricoler un truc genre par là? C'est un peu loin et il n'y a pas de cochons. Ok, est-ce que cochon mon pote, tu peux venir... Starfoula par là. Ah tu vas me dire, il n'y a pas assez de prairies. Par là? Ouais non, tu vas pas vouloir. Le problème c'est que je suis trop loin. Toutes mes structures sont trop loin. Ça nécessite un épurator. Bon attends, je vais te le faire ça. Attendez, calmez-vous. Je vais vous le faire ça. Ça c'est pas trop, c'est pas tellement un problème. Non, ici... Potal par là. Non, pas potal par là. Potal par là. Merci. On avait dit, il faut un épurateur. Voilà, par exemple, un épurateur. Voilà, c'est magnifique. Boum. Et ici, hop. Boum. Voilà. On se fait ça. Du coup, on peut s'implanter des coches-coches, des cochons. Ah, pas assez.
La forêt est du coup un petit peu trop grande. Pas assez de... Ok. Obsolète, parce que du coup j'ai déjà mis des... Ouais, j'en ai, du coup j'ai déjà tartiné des aigles, ça chasse des sangliers. Hein. Putain, sacré coco mon gars. Pas assez de tout. Ouais. Aïe aïe aïe, cette forêt elle m'arrange pas. Obsolète parce qu'il y a déjà quelque chose qui traîne ici. Ok, j'ai pu implanter quelques porcs. C'est pas là où j'en veux quoi. Ah là, ça m'emmerde vraiment. Parce que j'ai mis des pans par là, et donc vu que j'ai mis des pans, je pourrais rien mettre. J'ai abusé en foutant. En pensant que c'était ça, je me suis mis dedans tout seul. Résultat des courses, bah là j'aurai rien. C'est ça, y a pas. Je suis hors de portée. Aïe aïe aïe, y a le juste. Ouais, quand je suis là-dessus, il y a le port, mais il n'y a pas le... Ah, c'est un petit peu loin. Attends, on va vraiment jouer à la case, là. Est-ce qu'on peut le faire à la case? Il n'y a plus de... Ah, il n'y a plus de cochon. Ah, il n'y a plus de cochon. Ah, attends, on est trop long. Soit par là. Il y a cochon, mais il n'y a pas structure. Alors, viens-moi ce message. Là, cochon de pas structure. Il y a un gratte-ciel au moins de 6 étages. Qu'est-ce que tu m'embêtes? Me dis pas qu'il faut que le gratte-ciel soit en entier dedans. Attends, t'abuses là. Oh, faut que je sois là pour pouvoir détecter. Non, là ça abuse. T'abuses vraiment le jeu. Ok, là le gratte-ciel est encore détecté. Ok, là le gratte-ciel est encore détecté. Là le gratte-ciel il l'est plus. Donc faut que j'aille jusque là. Faut que j'arrive à emmener des cochons jusque là. Ok, les cochons. Soyez cool les gars. Tac tac, forêt, mais il n'y a pas de prairie. Alors attends. Attends. Est-ce que vous avez des cochons où? Là dans le groupe là, il y en a là-dedans. Non, il n'y en a pas là. Ici, c'est vrai que c'est cassé, ça détecte rien. Ça dégoûte. Je vais devoir mettre un coup de briquet là-dedans. Hein. Si vous m'emmerdez, ça va partir sur un coup de briquet. Hein. Vous n'allez pas m'emmerder très très longtemps. Hein. Je vous le certifie. Hein. Rase-moi ça là. Non, petit coup de briquet, t'as vu? Hop, on est bien. Hop, un petit comme ça. As-tu vu? Hop là. Voilà, et tu sais quoi même, regarde, replace-le, tac tac, comme ça on va bien tout verdoyer comme un gros sourd. Voilà, la moindre casse qui traîne, voilà. N'hésite pas que ce soit bien vert, voilà, oh très joli, très joli. Est-ce qu'on peut se péter donc des cochons là? Parce que, qu'est-ce que... Obsolète la forêt. Genre, il y a des cochons ici, là ça m'emmerde. Il y a des cochons trop proches, du coup ça veut pas. Tout est obso. Pourquoi c'est obsolète? Non vraiment, c'est parce que j'ai mal placé les... Ah oh, c'est... Le jeu t'es chaud. Hein. Le jeu t'es chaud, t'es chiant. Hein. Qu'est-ce qu'il me reste en dernière soluce? En dernière soluce, on sait qu'on peut se débloquer. On sait qu'on peut se débloquer, donc on va se débloquer. Oui, je suis en train vraiment de faire ça comme un gros sac parce que c'est en train de m'énerver, ouais. Je vous ai dit que c'était un jeu hyper violent. Vous n'avez pas voulu me croire. Hein. Oui, fais-moi ça comme ça, je m'en fous. Cale-moi ça là-dessus, là. Quoi? Impossible? Température trop élevée? Foutez-moi des glaçons quelque part là, j'en sais rien. Fous-moi des glaçons là, tiens. Ça va t'occuper, non? C'est bon? C'est mieux? M'énerve pas, hein. C'est pas le moment. Hein. Comment ça? Ah oui, il me faut un épurateur. Calme.
Calme, tranquille, serein. Qu'est-ce qui pourrait m'énerver? Je sais pas moi, par plein de choses. Qu'est-ce que ça nous fait? Ok, ça nous fait un territoire, mais on a des pans sur ce territoire. Donc faut voir. Faut voir ce qu'on va pouvoir poser. Non, c'est ici. Est-ce qu'on peut poser des ports ou c'est obsolète? On peut poser des cochons. Parfait. Est-ce que maintenant je peux te poser? Oui. Le dernier homme. Succès déverrouillé. Zen, hein? C'est un jeu de la détente, hein? Pour ceux qui n'auraient pas compris. Restez détendu. Je vous sens tendu, moi. Pas éviter, c'est pas bien. Pas bien d'être tendu. Oui, on se casse. Plus tout, on se casse. Oh, pétard! Waouh! C'est un truc traîné, c'est ça? Il y a un truc qui traîne. Ah, il fallait que j'aille le chercher. Bah super, allez, let's go. Voilà. C'est bon, ça ramasse tout. Bah, tu me le ramasses, quoi. Hein, tu... Fait, tu ça ramasse ou pas? C'est bon, ça ramasse, hein. Dans le doute, hein, on avait un peu de temps, on pouvait se le permettre. Voilà. Allez, on plie les Gaules, hein. Moi ça fait je sais pas combien de temps que Shinai m'attend. Pour vous tourner un petit wartime. Deux pandas. Trop bien. On va rajouter un petit panda là vite fait. Ouais. Bon. On s'envole, on s'envole, on s'envole. Entièrement recyclé. Oh, des nonoches. Un nonoche. Des nonoches. Le mec trop chiant avec ses ours. Et ben voilà. Enfin voilà, mais pas voilà, parce qu'après, nous on a fait que 60. C'est marrant, le jeu considère que c'est terminé. Alors qu'après ça, j'ai envie de dire, il reste encore du taf, hein. On a fait le travail qu'à 70% là. Enfin, c'était crédit. Le monde n'est pas réhabilité. Alors déjà, à moins que t'en aies un autre à me donner, sinon... Non ? C'est cassé, le jeu t'est cassé. Ah oui. Voilà. Tac, 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 70%. Région alternative déverrouillée. Vous avez déverrouillé les versions alternatives de toutes les régions. Sélectionnez une région pour jouer avec sa version alternative. À première vue... Carrière abandonnée, la légende me raconte que c'est un peu dur. Oula. Oula, c'était pas prévu. On se retrouve dans un prochain épisode, c'était Knafank sur Comme d'habitude Gaming pour Terranil. Je vous dis à la prochaine, ciao.